Non, défensivement, c'était pas mal. En disant 72 points encaissés, c'est bien pour nous. En attaque, on a raté des tirs, mais bon, le pourcentage est mieux. C'était un match qui était complètement folie pour moi, en disant, en dehors du terrain, en disant sur le banc. Pour moi, c'était faux rythme. Je pense que la clé était nos stops défensifs et puis pousser des ballons. On a trouvé des solutions comme ça. Ça va, en disant, quand tu regardes les statistiques, à part le premier carton qui a une égalité, on gagne trois cartons. 19-17, 21-17, 23-18. 72 points, c'est, pour nous, c'est correct. Normalement, si on a un peu plus agressif, avec un écart d'évaluation 107 à 79, on doit gagner, à mon avis, de 20 points. C'est pour ce match-là, je crois, hein, pour le match, pour l'atmosphère de ce match-là. Oui, bah, ils étaient un peu fatigués, nous aussi on est un peu fatigués. Voilà, on enchaîne. C'est pas facile pour les joueurs, c'est pas facile pour nous. Voilà, on enchaîne, on va à Dijon, après on reçoit Gravelines et Pau. Je pense que ces trois matchs-là seront importants pour nous. C'est toujours, quand tu gagnes, tu sais, tu gagnes aussi confiance. C'est comme ça, hein, tu gagnes. Mais je pense que si on s'accroche contre Dijon, on peut gagner. Hein. On sait qu'on peut gagner.